ça qu'a fait là, ma texte à lui nous n'a poursuivi dans calcul adresse IPv4 là, mais sauf que là nous dans un chapitre CIDR là, on te calculé cela il y a 25 ans déjà, calculé trois classes qui n'a pas utilisé, qui c'est classe CA, puis classe BA, classe A. Nous nous ajoutons une adresse IP comme ça, là on a passé en mode exercice pour nous calculer slash 26 là, parce qu'on était déjà calculé slash 25 là déjà. Nous avons une adresse IP comme ça. Et puis, demandez-nous pour nous calculer. Demandez-nous une question. Ça y est. Valez sur le réseau qui n'a pas créé. Valez la machine qui n'a pas mis dans chaque réseau. Combien sur le réseau a parti. Nous allons calculer tout ça. Et première adresse chaque sur le réseau. Dernière adresse chaque sur le réseau. Adresse diffusion chaque sur le réseau. Nous allons faire ça. Donc, là, nous voyons que nous gagnons 192.168.1. Pour 26/26, ça c'est une adresse IP. Qu'on y a là pour nous capable déterminer l'adresse IP ça combien toute question ça est là nous gain pour nous passer en binaire ça m'a qui dit qui écrit sous notation CDA là en décimale complète qui baille 192.68.1.26 et puis plus loin nous mettez 255 .255.255.192. OK. Bon, OK. L'engin ça écrit comme ça. C'est ça veut dire. C'est ça pour que pour nous traduire en binaire. Et puis ça. On peut le chercher 192. 192 en binaire, c'est 128 plus 64. Et puis le chose, c'est 0. C'est ça qui baille 192. OK, nous pour 192 là. Nous mettez les là 1 et 6 0, 1 2 3 4 5 6 0. Ok, là nous avons 180. Maintenant faut que nous prenions 26 là, 26 en binaire. Comment on appelle que 26 en binaire? Là, on dit nous pas besoin de 64 puisque 26, tout ça puisque 26. Là dans 26 là, on a mis 1 bas 16 là, on a pris 8 là qui est en fait nous 24. Et puis, nous mettons 0 en bas 4 là. Et puis, nous mettons 1 là qui fait 26 là. Et puis, 0 là. Ok. Donc, nous venons de coller 1, 2, 3. 1, 0, 1, 0. Donc là, nous fait un calcul là. Pour nous venir adresse. Premier sous réseau. Premier sous réseau. Nous mettons plus là. Et puis là nous fait addition. Normalement c'est 0 parce que nous pas gagner 1 en bas l'autre là. Là nous gagnons fait des 8 0. Donc ça met adresse premier sous réseau qui c'est 192.68.1.0. On a mis slash 26 pour dire que le réseau est lui-même découpé. Valeur sur réseau qui n'a pas créé, n'a toujours été dans 192 là, qui c'est masse là. Ok, qui c'est masse là. Je dis que c'est D à la N pour jouer une valeur sur réseau qui n'a pas créé. D à la puissance valeur bit qui a N en masse sur réseau, en octet ça qui n'a pas calculé. C'est D à la D qui là. Nous gagnons D à la puissance D parce qu'on gagne D1. Ok, on a ce temps. Dit que c'est 2 à la puissance 2 qui vient égal 4. Donc n'a plus n'a dit que n'a pas créé valeur sous réseau, n'a pas créé 4 sous réseau. Valeur machine qui n'a pas mettre dans chaque sous réseau, n'a pas dit que dans ma sous réseau là. Nous gagnons 6 0. On a qu'à dire que c'est 2 à la puissance 6 moins 2. Ok, c'est formule qui nous était parlé déjà qui n'a plus qui vient bail 62 puisque 2 à la 6 il bail 64 moins 2 qui vient bail 62. On a qu'à mettre 6 2 pour nous connaître de combien chaque chose a parti.
Eh bien, ça n'a pas fait à présent. Nous allons faire un petit calcul qui n'est pas mentionné là. Calcul là, c'est 256 divisé li par 4. Qui vient by 64. Donc chaque sous-offre gagne 64 adresses. Donc pas 64. Maintenant, première adresse, premier sous-réseau, la première adresse réseau qui est déjà là, on a fait le plus 1. Première adresse sous-réseau, c'est 192.128.1.1. Mettez slash 26. Ok. Et puis, dernière adresse là. Il y a 64 adresses. Première adresse de la promotion dans 0. Jusqu'à 64. Donc, première adresse là qui c'est 0, qui c'est adresse réseau. Et puis, première adresse utilisable là, première adresse IPA qui c'est point 1 que nous mettons là, n'a pas dit que dernière adresse là, c'est 192.128.1.62. Ça, c'est mouvement premier sous-réseau. Maintenant, adresse diffusion. Diffusion, c'est 192.1.63. Ok. Ce qu'a dit, n'a qu'à mettre 62 machines. C'est le même mouvement concernant pas calculer pour tout l'autre. Donc, premier sous-réseau à calculer. On y a là. Deuxième sous-réseau, il commence de suite. Après adresse diffusion premier sous-réseau. Réseau. Si nous dit dans cas ça, nous te dit que ça c'est adresse diffusion premier sous-réseau. Oubliez slash 26 là. Bagaille pour ne pas faire. Moi-même, on va faire les mêmes. Même si moi, dans l'exercice, il faut que nous toujours mettez slash 26 là. Ok. Synapse, ça me dit. Deuxième. On va mettre deuxième sous réseau. Hein. C'est 192.68.1. 64, mettez slash 26. Ça c'est adresse réseau. Donc, quand mettez adresse réseau tout, hein, deuxième sous réseau. Adresse deuxième sous réseau. C'est 192.28.1.64 slash 26. Slash 26. N'a pas eu dans slash 29 là pour enquêter. Ok. Ça c'est adresse réseau. Et puis dans le cas du premier adresse là. C'est 192.68.1.65. Ok. N'a mettre slash 26. Et puis dernier adresse deuxième sous réseau. Comme on te dit, c'est 64 en 64 la partie, puisque nous mettons joindre
tout calcul premier sous réseau, nous avons un point 64. Maintenant, nous avons un point 64 encore, nous voyons le souli. Donc là, nous allons découper des sous réseaux qui vont bah, nous dernière adresse là. Normalement, qui est censé bah, nous 126. Pour qui ça? Parce que l'offre fait 64 plus 64, qui bon 128. Puis moins d'adresse, voilà. Dernière adresse là, mettez dernière adresse. C'est 192.128.1.126. Ok, et puis adresse diffusion. Diffusion, c'est 192.168.1.127. Et puis adresse troisième sous réseau. Adresse troisième sous réseau. Troisième sous réseau. Commencez. Alors, commencez 18 après adresse diffusion deuxième sous réseau. Ok, dans le cas pas nous, nous jouons une adresse diffusion qui était ça. Non, cas pas nous, c'est 192.168.1.128. Mettez slash 26 là quand même. Faut que nous pas oublier slash 26 là. Faut que nous pas oublier slash 26 là. Dans le cas panneau là, adresse troisième sous réseau, c'est ça. Parce que c'est une idée de commencer tout juste après adresse diffusion deuxième sous réseau qui c'est 127. Donc c'est 128 qui c'est adresse troisième sous réseau. Donc a dit que à petit pose de mettre adresse troisième sous réseau. On dit adresse réseau tout ça. On dit adresse sous réseau. Ok. Et puis, vu que c'est dans 64 la partie, donc là nous avons gagné deux groupes 64 qui finit. Là, on a attaqué le troisième groupe 64 là. Donc si nous voyons 64 sous 128. Normalement, on peut calculer nous 128 plus 64. Effectivement, qui vient de nous 192. Donc là, sous ça, nous prenons la première adresse là. Adresse c'est 192.168.1.129/26. Dernière adresse, on a dit que c'est 190. On a dit dernière adresse. C'est 192.28.1.190. Adresse diffusion. Adresse diffusion. Adresse diffusion c'est 192.168.1.191. Ok, et quatrième sous réseau là commencer des suites après adresse diffusion troisième sous réseau. Ok, on pas besoin allemand écrit nous, mais on va tout écrit lui. On prend ça là pour nous aller plus vite. Là que nous mettons là, on a mis nous fait 4 ans là.
pour troisième sous la rediffusion troisième sous dans le cap à nous qui c'est 192.168.1.192/26. La comité adresse réseau. Ok, première adresse là, c'est le même mouvement, c'est 192.168.1.193. Et puis vu que c'est dernier 64 qui parle bas nous 256 là, donc nous tout connaît que dernier adresse là 256 là moins 2 c'est 254. 192.168.1.254. Et puis diffusion. Jean, c'est 192.168.1.255. Ok, là nous faisons calculer le mouvement. Yo. Et puis dans chaque comité. Sous-réseau, on a calculé ça déjà. On a dit nous ça déjà. Chaque sous-réseau, on a mis 70 machines. C'est comme ça nous calculons les mouvements. Donc, slash 27 l'a venu, il était branché. Après, là, on a fait. Je viens de faire calcul ça là. C'est même calcul là pour chaque sous-réseau. Nous comprenons tout mouvement. Donc, pour moi, pendant tout mouvement, c'est juste que ça là, je vais mettre en petit coulet. Vert. Correct.